Le texte poétique dont nous parlons aujourd'hui s'intitule « Adieu à la Nouvelle-France ». Il a été écrit par Marc Lescarbot au tout début du XVIIe siècle. Mais qui était ce personnage? Marc Lescarbot était un écrivain, avocat de métier, traducteur aussi, et en 1606, il décida de tout abandonner pour une aventure assez hors du commun à son époque, traverser l'Atlantique dans le but de participer à la première colonie du Canada. Au mois de mai 1606, Lescarbot décide de suivre son ami Jean de Poutrincourt, qui est le chef de l'établissement de Port-Royal, une petite colonie française fondée en Acadie 3 ans avant Québec. Poutrincourt, qui a besoin d'un chroniqueur pour prendre en note tous les événements de cette aventure, propose à Lescarbot de l'accompagner. Très enthousiaste, Lescarbot accepte. Malheureusement, nous allons le voir, il ne restera que très peu de temps en Acadie et, à peine un an plus tard, il doit se résoudre à dire adieu à la Nouvelle-France. C'est dans ce contexte qu'il écrit ce poème le 30 juillet 1607. Le texte se trouve dans le recueil intitulé « Les Muses de la Nouvelle-France ». Les Muses de la Nouvelle-France, qui ont été écrites sur le sol acadien, constituent par ce fait le point de départ de la poésie canadienne d'expression française. Le recueil comporte 12 de poèmes classiques, tels que des sonnets, et 4 pièces un peu plus longues. Parmi celles-ci, nous avons le Théâtre de Neptune de 244 vers qui a donné lieu à la première représentation théâtrale d'Amérique du Nord, l'Adieu à la Nouvelle-France de 428 vers, le texte que nous allons étudier, la Défaite des Sauvages Armouchiquois de 462 vers, un poème épique qui met en scène une bataille amérindienne, et la Tabagie marine de 226 vers qui raconte les festins des Micmacs, le peuple autochtone de la région de Port-Royal. Le contenu des Muses se démarque par son inspiration et son originalité, mais aussi et surtout par le lieu qu'il met en scène, la Nouvelle-France. Lescarbot n'hésite pas à utiliser des termes exotiques ou des mots d'origine amérindienne pour raconter le pittoresque avec authenticité. L'Adieu à la Nouvelle-France est un long poème au style hybride, à mi-chemin entre l'ode, le texte de propagande et le panégyrique. Il est écrit en alexandrin, avec des rimes suivies. Nulle part sous la plume du Vervinois, écrit Marie-Christine Pioffet, grande spécialiste de l'escarbot, la Nouvelle-France ne s'est révélée si familière ni si proche que dans l'Adieu à la Nouvelle-France où vibre la passion du jeune poète pour ce pays qu'il doit quitter, la mort dans l'âme. Dans la poésie classique, et plus particulièrement chez les auteurs de la Pléiade, l'adieu est un thème qu'on retrouve assez souvent pour faire l'éloge d'une femme ou célébrer l'amour, le regret, la mort. Ronsard, par exemple, s'adresse à Cassandre et à Marie en formulant des adieux. Dans son poème intitulé « Adieu à la Nouvelle-France », Lescarbot utilise lui aussi le motif de l'adieu, mais il se démarque de ses prédécesseurs par l'objet même des adieux. Ici, c'est un lieu, non une personne, la Nouvelle-France. C'est tout à fait inédit, même si nous le verrons, il va utiliser les procédés de l'allégorie pour dépeindre l'endroit sous les traits d'une jeune femme inaccessible. Adieu à la Nouvelle-France du 30 juillet 1607. Faut-il abandonner les beautés de ce lieu et dire au Port-Royal un éternel adieu? Ces deux vers d'ouverture résument à eux seuls la question que Marc Lescarbot soulève dans l'ensemble de son œuvre, à savoir « La France doit-elle renoncer à s'établir en Amérique du Nord ?» Au territoire immense, désigné par le titre du poème, se dégage immédiatement un lieu d'action plus resserré, plus précis, le Port-Royal. Ce port naturel se trouve à l'est du Canada, dans l'actuelle Nouvelle-Écosse, à l'intérieur d'une baie, l'actuelle baie de Fundy. Comme on le voit sur ce plan dessiné par Marc Lescarbot, l'emplacement est très stratégique. Le port se trouve à l'intérieur d'une baie. L'endroit est naturellement parfait pour défendre le territoire. L'entrée est surmontée de part et d'autre par 2 petites collines sur lesquelles on peut positionner des canons. Le fortin de la colonie domine l'intérieur du bassin et plusieurs avant-postes en défendent l'accès. À l'intérieur des terres, le potentiel est immense. Sur les nombreux cours d'eau qui viennent arroser les semences de blé, d'orge et d'avoine, on peut apercevoir un moulin.
C'est pour toute cette raison et bien d'autres encore que l'adjectif apposé à ce port est royal. D'ailleurs, ce lieu ne contient pas une, mais plusieurs beautés au pluriel. Alors pourquoi donc le poète se lamente-t-il en posant la question qui suit ? Serons-nous donc toujours accusés d'inconstance en l'établissement d'une nouvelle France ? Le mot inconstance dans le contexte du XVIIe siècle signifie hésitation, doute, flottement. Il émet l'idée qu'une chose, ou en l'occurrence une mission, n'a pas été terminée. L'escarbot fait référence à ce que l'on appelle aujourd'hui le cycle des vaines tentatives. Et comme vous le savez sans doute, pendant près d'un siècle, la France a tenté sans succès de s'établir en Amérique. L'utilisation du terme « inconstance » a donc pour synonyme « déboire », « échec », « fiasco », « déroute ». Alors en regardant cette carte, essayons de retrouver les noms des explorateurs français qui ont parcouru l'Amérique pour tenter sans succès de s'y installer. Pour toutes ces entreprises vaines qui n'ont pu aboutir, l'escarbot renchérit de la sorte. Que nous sert-il d'avoir porté tant de travaux et des flots irrités combattu les assauts, si notre espoir est vain et si cette province ne fléchit sous les lois de Henri notre prince ? Le poète rappelle implicitement l'ensemble des échecs. Il martèle son argument des vers précédents en dénonçant une nouvelle fois l'inconstance de la France à ne pas aboutir à un résultat concret et tangible. Le substantif « travaux » précédé du déterminant « tant de » qui insiste sur la quantité, fait écho au projet titanesque des héros de la mythologie grecque. L'analogie nous fait nécessairement penser aux 12 travaux d'Hercule. En insistant sur la lourdeur de la tâche, il sous-entend qu'il faut être un demi-dieu pour établir les fleurs de lys en terre américaine, ce qu'il fera plus explicitement dans d'autres poèmes de son œuvre dans lesquels il compare les explorateurs à des demi-dieux. À ces difficultés s'ajoutent les dangers permanents liés au voyage, comme les tempêtes lors de la traversée. C'est ce qu'il sous-entend par l'adjectif « irrité » qu'il appose au substantif « flot » représentant ici l'Atlantique. Les assauts, quant à eux, sont la métaphore de la tempête qui incarne toute la violence de la traversée lorsque la mer se déchaîne. Ce terme « guerrier », issu du latin populaire « assaltus », signifie « attaquer » et représente également, dans un sens plus littéral, les attaques de pirates, comme l'escarbot l'atteste ailleurs dans son œuvre. Dans les deux derniers vers, l'escarbot rappelle en filigrane qu'Henri IV, à l'origine de la reprise du projet de colonisation, est le souverain européen naturellement désigné pour régner sur cette province, le Canada. Terme qui rappelle ici l'impérialisme romain. Plus implicitement, par l'emploi du mot « loi » au pluriel, l'escarbot sous-entend qu'Henri IV fut aussi celui qui apaisa les guerres de religion en établissant un nouveau pacte social pour la France. Par extension, sa légitimité sur la Nouvelle-France est donc naturelle, d'où l'emploi du verbe « fléchir » qui rappelle le geste que faisaient les chevaliers adoubés par leur roi. Nous comprenons à présent que ce poème est en fait un puissant texte de propagande qui n'a d'autre but que de tenter de convaincre le roi et ses ministres, dont Sully, comme vous allez le voir dans la web-série sur Champlain, de ne pas abandonner leurs efforts. Or, la raison de cet abandon, de la colonie, est donnée dans les vers qui suivent. « Que vous servira-t-il d'avoir jusqu'ici fait des frais inutiles si vous n'avez souci de recueillir le fruit d'une longue dépense ?» et l'honneur immortel de votre patience. Ah, que j'ai de regrets que vous ne sachiez pas de cette terre ici les attrayants appâts. Et bien que les flamands vous aient fait une injure, l'injure bien souvent se rend avec usure. Il faut donc partir, il faut appareiller, et au port Saint-Malo, aller l'ancre mouillée. Plusieurs éléments importants émaillent ce passage. Remarquons tout d'abord que dans les vers qui précédaient, l'escarbot parlait du roi à la troisième personne. Il s'adressait indirectement à lui en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles le Canada ne fléchissait pas encore sous ses lois. Mais ici, il opère un glissement en s'adressant directement au roi. Que vous servira-t-il d'avoir fait des frais inutiles si vous n'avez que faire du retour sur investissement ? Je reformule. Pour mieux comprendre les modalités de ce changement de ton, beaucoup plus agressif, il faut alors expliquer la raison pour laquelle Henri IV
alors que cette terre a tout pour plaire, fait preuve d'impatience et renonce à recueillir le fruit de la dépense. En fait, la raison est mentionnée dans les deux vers qui suivent et j'aimerais la décoder avec vous, mais pour cela, appuyons-nous tout d'abord sur un extrait de la web-série « Le rêve de Champlain ». En 1602, la cour d'Henri IV en profite pour relancer deux missions commerciales dans un genre de partenariat public-privé. Les compagnies doivent financer pour un tiers la fondation d'une colonie permanente en échange des privilèges de traite. Le roi Henri IV ne finance jamais les expéditions coloniales françaises en Amérique du Nord. Parce que la France sort des guerres de religion. Les caisses du roi, après les guerres de religion, sont vides. Donc le roi n'a pas d'argent à dépenser pour les expéditions coloniales. Donc les colonisateurs doivent se débrouiller eux-mêmes. Et ils peuvent financer la création de colonies grâce au monopole de la traite des fourrures, monopole qui est accordé par le roi. La traite de fourrures en tant qu'entreprise commerciale est très risquée, mais plusieurs compagnies sont prêtes à prendre le risque car les profits peuvent être importants. À Paris, au début du 17e siècle, on ne porte plus les mêmes chapeaux qu'avant. Le castor remplace les plumes. Et la demande européenne en peau de castor de grande qualité est insatiable et croît sans cesse. Et les chapeliers européens pensent que la meilleure fourrure provient de la vallée du Saint-Laurent. Vous l'avez compris, une fois le monopole mis en place, aucun autre commerçant du Royaume de France n'avait le droit d'aller chercher des fourrures au Canada. Mais vous imaginez bien que les marchands qui avaient l'habitude d'aller troquer avec les Amérindiens n'ont pas vraiment respecté la volonté du roi. Et c'est pour cette raison que l'escarbot précise, et bien que les Flamands vous aient fait une injure, l'injure bien souvent se rend avec usure. Ici, le mot injure a le sens d'offense, mais surtout d'attaque, et le terme flamand désigne en ancien français les Hollandais. En fait, il faut savoir qu'aidés par un traître français, les Hollandais avaient dépouillé les deux navires de Poutrincourt, ce qui entraînera tout simplement la banqueroute de la colonie française, et ensuite la révocation du monopole des fourrures, et donc le rapatriement de la colonie de Port-Royal. C'est dans ce contexte que l'escarbot apprend la révocation du monopole à la fin du mois de juillet 1607 et qu'il prend la plume pour écrire ce poème frustré de devoir abandonner l'Acadie. Et voici pourquoi le motif de l'adieu va dès lors se décliner telle une longue complainte tout au long du poème. Adieu donc, beaux coteaux et montagnes aussi, qui d'un double rempart saignaient ce port ici. Adieu vallons herbus que le flot de Neptune va baignant largement deux fois à chaque lune, pour donner nourriture aux arborés élans et autres animaux qui ne sont pas si grands. Et au gibier aussi, qui pour trouver pâture, y vient de tous côtés tant qu'il y a verdure. Adieu mon doux plaisir, fontaines et ruisseaux, qu'il est vos éléments arrosés de vos eaux. Après l'entrée en matière qui rappelle le contexte historique, nous assistons maintenant à la mise en scène poétique. Par sa plume, l'escarbot métamorphose l'Acadie en un pays de promission, c'est-à-dire en une terre promise. Et dans une série d'anaphores, qui sont des figures de la répétition, il s'adresse à chacun des éléments composant le paysage pour créer ainsi un effet d'écho interminable à l'adieu de ce vers qui lui-même semble jamais ne se finir. Voici d'autres exemples. Adieu donc, beaux coteaux et montagnes aussi. Adieu vallons herbus que le flot de Neptune. Adieu mon doux plaisir, fontaines et ruisseaux. En se remémorant la physionomie de chacun des aspects du paysage, coteaux, montagnes, vallons, fontaines, ruisseaux, vaux et monts, l'escarbot évoque les moments de bonheur qu'il a vécus et prolonge son émerveillement en les partageant avec le lecteur. Phénomène intéressant, chacun des éléments est doté d'un adjectif représentant métaphoriquement un attribut stratégique en lien avec l'établissement d'une colonie. Ainsi, les coteaux sont beaux, comprenez, propices à recevoir des vignes pour faire du vin. Les vallons sont herbus, autrement dit prêts à être ensemencés pour le blé qui produira du pain pour la colonie. Quant aux montagnettes qui entourent le port royal, elles forment un double rempart. Des allusions que l'on identifie sans peine sur la carte qu'il a réalisée. Cette carte, bien sûr, est un prolongement visuel du texte poétique.
C'est ici qu'au-delà de l'aspect historiographique, l'analyse littéraire prend tout son sens. Comme on peut le voir, la figure du Port-Royal est altérée par une projection déformante, nourrie des fantasmes de l'auteur. Entrevoyant une cité de Dieu en Amérique, l'escarbot amplifie ses dessins par des éléments graphiques qui forcent la réalité. En apologiste habile, il cède à la tentation de la fiction et éclipse le mandat qu'il s'était pourtant initialement fixé, à savoir raconter la vérité, rien que la vérité. L'escarbot énumère quelques-unes des ressources du territoire acadien. Il insiste plus précisément sur la présence du gibier qui se compose d'animaux sauvages de toute taille, comme le célèbre orignal, et il met en avant les nombreuses fontaines et ruisseaux qui submergent le territoire. Il suggère implicitement que les colons ne mourront pas de soif et qu'ils pourront bâtir des moulins et transformer les blés bien irrigués en farine. Nous verrons d'ailleurs que la plupart des éléments qui se trouvent sur le plan de l'escarbot sont fantaisistes. Son but, bien sûr, est de promouvoir le site de Port-Royal, mais ces représentations ne trouvent aucune correspondance chez Champlain. Toutefois, c'est cette manipulation littéraire et iconographique qui fait toute la beauté des chroniques historiographiques et qui nous permettent, grâce à l'analyse littéraire, de mieux comprendre les enjeux de l'histoire. Car en réalité, le Port-Royal, à l'époque de l'escarbot, ressemble plutôt à ça. Dans la section qui suit, l'escarbot représente l'Acadie sous les traits d'une longue allégorie, celle d'une femme aimée qu'il doit quitter à regret. L'emploi du tutoiement confère une proximité évidente entre le sujet, le poète, et l'objet, l'être aimé, qui est personnifié. Ainsi, dit-il, tu as le front haussé qui te fait regarder à l'environ de toi une ondoyante plaine, et la terre alentour sujette à ton domaine. Tes rives sont des rocs, soit pour tes bâtiments, soit pour d'une cité jeter les fondements. L'alternance du pronom personnel « tu » avec des adjectifs possessifs et l'apostrophe continuelle de tous les éléments de cette terre personnifiée font de la Nouvelle-France une amante qui, malgré sa générosité, semble destinée à demeurer vierge. On pourrait ajouter que par un langage si flottant dans lequel les fricatives en « des » et « t » s'entrechoquent en écho, le poète rappelle la fuite en avant, l'abandon de la colonie, l'impossible retour. Certains apartés évoquent d'ailleurs quelques aspérités spécifiques du territoire qui, telles les formes et les contours de la femme aimée en secret, donnent lieu à une mise en scène érotique. En ce sens, le choix des adjectifs n'est pas neutre. Ainsi, les beaux coteaux, les vallons herbus, l'ondoyante plaine, le creux de ta poitrine sont des motifs qui s'apparentent au langage du corps, de l'amour et du plaisir. C'est parfois très explicite, comme « doux plaisir » ou lorsqu'il fait rimer « désir » dans une rime embrassée avec 10 000 plaisirs, ou beaucoup plus discret, comme lorsqu'il dit « fontaines et ruisseaux, rochers élevés, grottes qui m'avaient plu ». Pour conclure sur cet aperçu, il convient de rappeler que les muses subliment le séjour acadien à travers le déploiement euphorique d'une nature voluptueuse et délectable offerte en héritage aux Français. À coups de répétitions et de formules incantatoires, ce pays rustique, dépourvu de palais, de théâtres et de grands monuments qu'est la Nouvelle-France, devient en quelque sorte une matrice de la poésie. Alors je termine sur cette citation critique. Sans faire de l'escarbot un Ronsard ou un Dubélé, il faut convenir que sa poésie révèle une sensibilité rare à l'exotisme et une ouverture unique à l'altérité amérindienne qui rendent les florilèges destinés à la célébration de l'Amérique sauvage. La poésie devient un moyen de récupérer un échec colonial par un lyrisme encomiastique et emphatique. Œuvre passerelle ou médiane, les muses introduisent l'américanité dans la poésie française. Ce recueil, où se mêlent références classiques, observations ethnographiques et souvenirs de voyage, dénote une volonté de s'adapter à un nouvel environnement et, en ce sens, prélude à l'existence d'une littérature française d'Amérique dont il sème les premiers ferments.